Bonjour, bienvenue sur Chef Ounet TV. Bienvenue dans cette première recette de la saison à la plancha 2022. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer des aiguillettes de canard au poivre vert. Donc nous allons mettre à mariner nos aiguillettes de canard. Donc là, j'ai à peu près un petit kilo d'aiguillettes. Donc j'ai fait une marinade hier avec du poivre vert, de l'estragon, du vin blanc, du cognac, de l'huile d'olive. En fait, la réduction au départ de ma sauce au poivre vert que j'ai fait réduire. Et avant de mettre le fond et la crème, j'ai conservé une partie de la réduction à laquelle j'ai ajouté de l'huile d'olive. Donc vous voyez, c'est une recette relativement simple. J'ai écrasé un peu les grains de poivre pour qu'ils expriment bien. J'en ai gardé des entiers pour la sauce. Donc là, nous allons mettre à mariner nos aiguillettes. Donc je vais le faire dans un saladier et après je vais mettre sous vide. Je vais les laisser mariner sous vide une douzaine d'heures, hein, entre 12 et 24. Après, c'est à vous de voir. Les aiguillettes, après, seront montées sur des brochettes. Alors, on pourrait les laisser entières comme ça aussi, hein. Mais moi, j'aime bien parce que pour les manipulations, c'est plus pratique. Donc, ce sont des aiguillettes de canard gras qui viennent de Bordeaux, du sud-ouest, que j'ai acheté au marché à Bordeaux, au marché célèbre que vous connaissez, le marché des Capucins que j'aime beaucoup. Et il y a un petit fournisseur qui fait du canard sous toutes les formes, et donc j'ai pris ce jour-là les aiguillettes. Alors c'est un produit qui est relativement cher. Alors on en trouve à tous les prix. Ça dépend des saisons. Donc nous allons mettre nos aiguillettes de canard dans une poche pour mettre sous vide. Alors le fait de mettre comme ça sous vide va permettre à la marinade de bien imprégner les chairs. Voilà, on va bien essuyer le bord de la poche. Donc, pour mettre sous vide, il va falloir faire attention un peu au liquide. Donc, toujours le produit très froid, en dessous de 6 degrés. Voilà, donc une sous-videuse par aspiration. Alors là, j'ai une petite valve qui va me permettre de quantifier le sous-vide. Donc, pour éviter que le liquide rentre dans la sous-videuse. Donc, je mets l'ouverture de la poche ici. J'ouvre en grand la valve. Je vais régler la température et la durée du scellage. Donc là, je mets assez fort. Et on va mettre sous vide. Donc je vais doser le sous vide, voilà, comme cela. Thank you.
Souvent, les aiguillettes de canard, quand vous les cuisez à la plancha, c'est souvent cuit irrégulièrement et trop cuit. Alors moi, je vais vous proposer une petite astuce, c'est de les cuire en brochette et enrouler sur elles-mêmes, vous voyez, comme ceci. Ça permet donc de bien pouvoir les colorer à la surface et qu'elles restent bien moelleuses au centre. Donc on commence par la partie la plus fine, comme cela. Alors il y a différentes tailles de aiguillettes, donc on va essayer d'assembler des petites avec les petites et les grosses avec les grosses. Voilà, une petite, on a une autre. Voyez, vous les roulez tout simplement, vous serrez un tout petit peu, sans plus. Et vous piquez à l'extrémité pour qu'elle se maintienne bien au moment de la cuisson. Donc ça, c'est une petite astuce que je trouve sympa et que je voulais partager avec vous. On va découper la polenta. Alors, on pourrait la découper en rond, en triangle. Il y a plein de solutions. Là, je vais faire au plus simple. Donc, je vous conseille, c'est d'humidifier légèrement votre couteau. Alors, elle est belle, cette polenta. J'ai fait cette polenta avec de la polenta de maïs de grand roux, donc le grand roux, c'est un maïs très ancien qui était cultivé au Pays Basque il y a très longtemps, qui avait été abandonné parce que très très peu de rendement, et aujourd'hui il redevient un peu à la mode, comme toutes ces variétés de végétaux anciens qui ont l'avantage, c'est d'être robustes par rapport aux maladies et qui sont bien acclimatés au climat de la France, là où ils poussent. Voilà, ça chauffe. Je vais légèrement huiler. Alors, je mets une feuille de cuisson, c'est pour éviter que ça accroche trop sur la plancha. Tout ce qui est légumes avec de l'amidon, etc., parfois ça accroche un peu. Voilà, ça commence à être bien chaud. Voilà, la plancha est à 180 degrés. Voilà, donc il faut bien les laisser cuire au moins pendant 10 minutes, un quart d'heure, pour qu'ils remontent en température et qu'ils dorent un peu à la surface afin de faire une croûte, parce que sinon, vous voyez, c'est quand même un petit peu fragile.
Voilà, une belle petite aiguillette de canard. Belle réaction de Maillard. Et la plancha, elle est bien bien chaude, elle est à 250 degrés là. Ça se voit. Ça se voit, ça s'entend et ça se sent. C'est quelque chose qui cuit très vite. Hein. On n'a plus qu'à dresser. Nous allons goûter notre brochette d'aiguillettes de canard au poivre vert. Donc on voit la cuisson est encore bien rosée. C'est pas du tout sec, c'est très moelleux. Alors la viande a un petit goût de poivre, mais très discret. C'est la marinade qui a atteint son objectif. C'est assez sympa. Donc ça manque de sel un peu. Je vous ai expliqué, j'évite de trop saler. Alors, avec la sauce. Une belle sauce, une belle liaison. Oh, c'est bon. Qu'est-ce que c'est bon. Moi, j'adore le poivre vert. Alors, il y a deux poivres que j'aime beaucoup. Il y a le poivre de Watsi Périphéry et il y a le poivre vert. Et là, le canard avec le poivre vert, c'est un mariage de raison. On ne peut pas penser canard sans poivre vert. C'est délicieux, juste relevé, ça n'emporte pas la bouche. C'est cette petite pointe d'acidité avec l'estragon, c'est très sympa. Alors, ma petite ratatouille, elle est très bonne. Donc je l'avais cuit sous vide au départ. Hein. La polenta du grand haut. Elle est très moelleuse.
Elle est un petit peu plus grossière qu'une polenta classique italienne. Moi, j'aime bien retrouver les grains. Les grains, c'est très agréable. Alors, on aurait pu mettre du fromage de brebis, hein. J'ai mis du parmesan, très classique. Mais on aurait pu râper un fromage de brebis un peu sec à la place du parmesan. Ça aurait été aussi très, très sympathique. Ben, écoutez, c'est très équilibré. Ça se marie très bien avec le poivre, la polenta au grand roux, le canard. C'est franchement un petit repas sympa, pas très difficile à faire. Tout se prépare la veille. La polenta, vous n'avez plus qu'à la dorer sur la plancha. C'est... voilà. Donc c'est une recette que je vous engage à faire. Bon, ça demande un petit peu de travail en cuisine, mais ça change des sempiternelles, entrecôtes, saucisses merguez, poulet blanc de poulet grillé. Là, c'est autre chose, c'est de la cuisine. Voilà, donc n'oubliez pas de partager cette recette sur les réseaux sociaux, de mettre un pouce et de vous abonner à Chef Ounet TV si vous ne l'êtes pas. À bientôt.